Ton principal trait de caractère en trois mots, comment tu te définirais ? Je me définirais chiant. Très... comment je peux dire ? Ça commence bien. À la première, elle est... ouais. C'est la plus dure. Non, je suis chiant, je suis... Je suis très... c'est pas un... ouais, si, je suis très très famille, même si c'est pas vraiment un trait de caractère, je pense. Et je suis très persévérant. D'accord. C'est les trois principaux mots pour toi qui te définiraient en général. Ouais. Ouais, ouais. Qualité que tu préfères chez une personne en général ? La qualité ? La qualité, oui. La sympathie, je dirais. Qualité que tu préfères chez tes coéquipiers ? Pareil, dans le sens général, sans en cibler un en particulier. En général, l'esprit d'équipe. Parce que ça regroupe assez... Un côté solidarité tout. Ouais, ça regroupe un peu tout, voilà, d'être ensemble, de tout faire ensemble, rigoler, les bons moments, les mauvais moments, c'est une chose que j'aime beaucoup. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? Chez mes amis, leur loyauté. Ton principal défaut ? Mon principal défaut, c'est que je suis très tatillon sur des petits trucs de merde, en vrai. Ça peut être une qualité aussi d'un autre côté, après, si vraiment ouais, c'est... Non, mais vraiment pour tout et n'importe quoi, ma femme me déteste parce que dès qu'on finit de manger, il faut débarrasser la table, sinon je peux pas laisser traîner, enfin, il y a plein de trucs comme ça, donc je suis très, très comme ça, ouais. Si tu avais un rêve de bonheur, quel serait-il dans l'idéal ? Dans l'idéal... Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, peu importe, comme tu souhaites. Un rêve de bonheur, ce serait de finir et de faire une longue carrière ici. Non, mais en vrai, d'être heureux sur la suite de la seconde vie, on va dire, et d'avoir ma maman près de moi. Ce que tu voudrais être ? Modèle pour mes enfants. Quel serait ton, à contrario de la question juste avant, ton plus grand malheur ? Mon plus grand malheur, c'est quelque chose qui va forcément arriver, mais c'est de perdre ma maman. Ton dernier restaurant ? Tu as pu faire sur Clermont, mis à part ici où on se trouve pour l'interview. Mon dernier resto, alors attends que je réfléchisse, on est le mercredi. Mardi, j'ai pas là, tu veux dire que la liste est longue ? Non, je réfléchis quand est-ce que j'y ai été. Dimanche, j'ai mangé chez moi. J'ai mangé... Ah, je peux pas le dire, c'était pas bon. C'était pas bon, j'ai été le dernier restaurant. Joker. Ta dernière série que tu as vue ? En ce moment, je suis dans Suits. Oui. C'est une série sur les avocats qui traitent des affaires et c'est vraiment pas mal. Tu as accroché ? Ouais. Il y a 7 saisons, en plus c'est très long parce que j'ai commencé avec du retard et c'est vraiment pas mal. Ouais. Et tu serais du style à enchaîner une saison complète ? Ouais. Bah, une fois que tu es parti ouais. Avec ma femme, dès que le petit dort, qui se couche assez tôt, 19h30. On enchaîne 19h30, 22h30, c'est l'épisode de 45 minutes, donc 4-5 épisodes d'affilée. En 2 jours, c'est plié, ça va vite. Ah, c'est au top. Qu'y a-t-il dans la playlist de Mike actuellement ? Franchement, il y a tout et n'importe quoi. C'est ça qui est... Ma femme me déteste pour ça, parce que dans la voiture, quand je mets ma musique, parce que je mets tout le temps ma musique, on peut avoir Cœur de Rocker, d'un coup on peut avoir Booba. Derrière, on peut avoir des musiques de Disney. Ah oui, c'est super hétéroclite au niveau du choix. N'importe quoi. Je mets tout dans la même playlist et j'écoute. Et la playlist, du coup, te sert comme peut servir aux enfants ? Ouais. Non, pour le petit, j'ai trié. Tu as fait pour du tri. J'ai trié, j'ai une playlist que pour lui, comme ça c'est plus facile. Ce que tu détestes par-dessus tout dans le rugby ? Moi j'ai grandi avec le fait d'être beaucoup très très serré, très copain, très
faire beaucoup de choses ensemble et tout, et ça se perd peut-être un petit peu dans le rugby professionnel, qui est logique, hein, moi je le comprends, mais voilà, peut-être de faire des soirées, des restos, de faire plein de trucs, bon, ça se perd un peu, je trouve. Tu trouves que tu as moins, hein, il y a moins ça, ouais. Mais après, c'est à contrario, c'est normal, on peut pas beaucoup faire la fête et être très performant, je pense. Donc c'est mais bon, il faut trouver le juste équilibre. Mais moi j'ai grandi, j'ai évolué dans des clubs où c'était un peu la base. Donc c'est ça, ouais. Le don que tu aimerais avoir? Le don que j'aimerais avoir, j'aimerais pouvoir savoir ce que pensent les gens. Voir dans les pensées. Ton surnom? Mickey. Tout simplement. Mickey, ouais. Le plus simple. Ouais, non, c'est Mickey. L'autre, j'ai senti que t'hésitais, mais. Non, l'autre, c'est des potes qui m'appellent Tadj. Bah, bon, c'est pas. Non, c'est Mickey. C'est avouable.